Amazing God. Amazing God. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je suis le pasteur Paul Zan, pasteur des églises chapelle de la grâce au Cameroun et dans le monde. Et alors cette émission est appelée la parole et Dieu passe par cette émission pour nous édifier, pour nous conseiller, pour nous éclairer. Parce qu'il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ma prière pour toi en ce jour, c'est que cette courte parole qui sera enseignée, qui sera donnée sous forme d'exhortation, puisse t'édifier, puisse t'aider à être transformé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu et que la parole de Dieu soit vraiment une lampe qui nous éclaire dans les ténèbres et que les ténèbres de nos vies soient effectivement dissipées parce que la parole de Dieu soit manifeste en nous. Amen. Alors notre émission, c'est la troisième sur le thème, le sermon sur la montagne. Nous avons commencé une première émission sur cela. Nous avons parlé de la deuxième émission, on a expliqué quelques béatitudes et nous entrons dans une autre béatitude aujourd'hui qui est très importante et nous pensons que nous serons effectivement édifiés. La Bible, et nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8, voilà, nous sommes comme ça. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, nous sommes à la sixième béatitude. Sixième béatitude, et nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc cette béatitude, vraiment, c'est le cœur des béatitudes. Tu as dit, si tu n'as pas pu respecter premièrement les béatitudes qui ont été expliquées bien avant, tu dois commencer par cette béatitude. C'est vraiment la béatitude centrale de toutes ces béatitudes, même comme toutes les autres sont hyper primordiales et hyper importantes. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le tout dans la vie n'est pas de voir ta bénédiction, n'est pas de voir ton mariage, n'est pas de voir ton élévation. L'objectif pour nous sur la terre, c'est d'infinir notre parcours sur la terre avec notre certificat d'admission pour le royaume, d'admission pour voir Dieu. Si tu ne vois pas Dieu, tout ce que tu fais n'a pas de sens. Si tu ne vois pas Dieu, tout ce que tu fais n'a pas d'importance. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. De plus en plus, nous avons des enfants de Dieu qui ont un cœur noir. En fait, tu n'as pas été créé avec un cœur noir, mais l'environnement dans lequel tu évolues, les gens que tu côtoies, les gens avec qui tu marches, ont poussé à avoir un cœur noir. Église, si les gens qui ont un comportement négatif influencent ta vie au point où tu quittes du positif au négatif, alors c'est eux qui ont le dessus sur toi et c'est eux qui sont ton Dieu. Ton Dieu t'a créé pour que tu aies le bon cœur. La Bible dit que nous devons avoir un cœur de charité dans 1 Corinthiens chapitre 13. La charité pardonne tout, la charité excuse tout, la charité supporte tout. Mais toi, à cause des déceptions du passé, tu te retrouves en train de devenir panthère. Quand tu vois une fille, on dit elle est panthère, elle n'est pas née panthère. C'est à cause des déceptions qu'elle a eues avec des hommes. Elle a vu un homme n'est pas fidèle, deux hommes ne sont pas fidèles, trois, tous les gens qu'elle a rencontrés ne sont pas fidèles. Elle a dit, ok, comme les hommes ne sont pas fidèles, on va aussi leur montrer que les filles ne sont pas fidèles. Tu n'es pas les hommes, tu n'es pas les autres. Si Dieu t'a créé avec un cœur pur, reste et demeure avec ton cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. » Église, mon frère, ma sœur, les sources du bonheur viennent de ton cœur. Les sources de la gloire viennent de ton cœur. Les sources de l'élévation viennent de ton cœur. Tu attires ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu as un cœur noir, tu vas attirer les mauvaises choses. Si tu as un cœur impur, tu vas attirer les choses impures. Il y a beaucoup de filles tellement elles ont été traumatisées par les relations qu'elles pensent que vraiment tous les hommes sont des bandits, sont des vauriens, sont des ratés. Et ce n'est que des ratés, tu vas dire, je continue à penser que malgré le fait que les hommes sont X, il y a toujours des exceptions. Et toi qui fais les exceptions aussi dans cette génération, tu peux attirer les exceptions. Pourquoi est-ce que tu es obligé de faire comme les autres? Pourquoi est-ce que tu es obligé de répondre comme les autres veulent que tu répondes? J'ai toujours dit aux gens, apprenons à faire exactement le contraire de ce que Satan veut que nous fassions. Si Satan veut que tu dises mouf, dis le contraire. Si Satan veut que tu maudisses Dieu, ne maudis pas Dieu. Est-ce que tu sais que Satan est arrivé jusqu'à utiliser la femme de Job contre lui et sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Mais Job avait un cœur pur, il n'a pas maudit Dieu et Dieu l'a restauré. Église, ayons un cœur pur afin que nous puissions voir Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. L'autre version dit, heureux sont ceux qui font la paix autour d'eux. Est-ce qu'autour de toi, il y a la paix?
Quand tu arrives quelque part, c'est la guerre, c'est les divisions, c'est les rancunes, c'est le Congo. Ça, tu es en train de prendre, tu prends à gauche, tu pars raconter. Tu prends ici, tu pars raconter. La famille est divisée grâce à toi. Les copines ne se parlent plus grâce à toi. Et ainsi de suite. Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la paix? La Bible dit dans Actes chapitre 3 de tenir notre langue en bride. Église, faisons attention. Heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux, dans leur église, dans leur famille, dans leur travail, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. L'autre version dit, heureux ceux sont qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. On te fait souffrir parce que tu obéis à Dieu. Et non parce que tu obéis au système de fétiches et de pratiques sataniques de ta famille. Tu ne peux pas obéir à Dieu sans qu'on ne te fasse souffrir. Tu peux obéir à Dieu sans que tes copines et tes copains ne t'intriguent. Ils te font souffrir psychologiquement. Oh, n'est-ce pas, toi aussi, tu veux montrer que tu es dans les églises. Oh, on t'a fait un lavage de cerveau là-bas. Oh, on va finir ton argent là-bas. Oh, on commence à te marginaliser. La Bible dit heureux. Lorsque tu sais que c'est pour Dieu que tu fais quelque chose, tu as la confirmation, tu as la preuve et que les gens te font souffrir. La Bible dit que tu dois te sentir heureux parce que tu seras appelé fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qu'on insulte, heureux, vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les hommes de Dieu? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les évangélistes? La Bible dit heureux. Je suis venu parler à quelqu'un. Ne sens-toi heureux quand vient écrire sur la publication escroc parce que tu parles de Jésus. Aucune déclaration d'une tierce personne ne doit influencer ta pensée quand Dieu lui a déclaré que tu es pur. Oui, les gens ont dit David c'est n'importe quoi, David c'est un sataniste, David c'est un meurtrier, David c'est un tueur, David c'est un inventeur, David c'est un destructeur. Mais Dieu a dit David est l'homme selon mon cœur. Ce qui est plus important à prendre en considération, c'est ce que Dieu te dit, c'est ce qu'il pense de toi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais je suis dépassé et je suis abasourdi quand je vois l'église aujourd'hui qui se lamente. Oh, on nous insulte partout, on nous méprise partout, on fait des reportages contre nous, on dit X ou Y contre nous, mais on a fait ça aux prophètes avant vous. Un prophète qui est acclamé n'est pas prophète. Ça, c'est ce que je dis, est important. Un prophète qui est célébré par le monde entier n'est pas prophète. Un prophète, un homme de Dieu qui est apprécié de tout le monde, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas vraiment appelé par Dieu. La Bible dit, si on a fait ça au bois vert qui est Jésus, à quand même forte raison, nous. Moi, mon seul problème n'est pas ce que le monde dit sur nous. Mon problème, c'est l'Église. Nous nous insultons entre nous, nous combattons entre nous, nous méprisons entre nous, nous attaquons entre nous, nous faisons les coups bas entre nous, nous moquons les uns les autres. Que Dieu nous fasse grâce, Église. Mais la Bible nous a dit pendant ces trois séances, heureux, heureux, ces quatre séances sur les béatitudes, heureux, 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 soyons vraiment heureux de savoir que le Seigneur, on a parlé des béatitudes trois fois, soyons vraiment heureux de savoir que le Seigneur nous connaît, soyons vraiment heureux de savoir que nous sommes dans les voies du Seigneur, soyons vraiment heureux de savoir que nous aimons le Seigneur, parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand le Seigneur nous aime, il y a des choses qui sont à notre avantage, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons aussi en retour aimer ce Dieu. Si Dieu t'aime, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. L'amour de Dieu s'est manifesté en nous donnant son Fils. Notre amour doit se manifester en lui donnant nos vies. Amen. Que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec nous, que Dieu change nos vies, afin que toutes ces béatitudes qui ont été enseignées pendant ces trois moments, ces trois émissions, ces trois extraits, que ces béatitudes soient vraiment notre partage, afin que nous puissions changer notre comportement et notre caractère. Que Dieu soit avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amazing God, amazing God.
Amazing God. Amazing.